Les musicales de Bagatelle ont été créées il y a 8 ans pour la Fondation Banque Populaire et par la Fondation Banque Populaire pour permettre aux jeunes musiciens, lauréats de cette fondation, de se produire à Paris et de se produire avec leurs grands aînés. Et c'est une belle aventure parce que ce tissage, ce mixage entre toutes les générations est absolument formidable et enrichissant des deux côtés. Ouais, ça me réjouit, surtout quand on est dans un endroit comme ici à l'abbaye de Valmagne, qui est un endroit absolument fabuleux, hein, avec un esprit, c'est vraiment un endroit mythique, magique. Et c'est en fait le troisième lieu que nous investissons en dehors du jardin de Bagatelle. L'acoustique en plus est absolument parfaite ici, et la beauté du lieu va faire que je pense que tous les gens vont se régaler. La fondation des banques populaires et la fondation des banques régionales de l'ensemble de la France. Et donc nous avons trois secteurs importants d'action. Ce qui nous réunit ce soir, ce sont les musiciens. Et donc nous délivrons aux meilleurs d'entre eux un soutien pour leur permettre de partir à travers le monde, rencontrer des grands maîtres, participer à des auditions très lointaines, afin de débuter, de donner un coup d'accélérateur à leur carrière. Nous réunissons les jeunes talents lors d'un festival parisien qui s'appelle le festival de Bagatelle, dans la Roseraie de Bagatelle, d'où son nom. Et nous avons décidé depuis quelques années de transporter ce festival dans les hauts lieux architecturaux et touristiques de nos régions. Et ici, donc, ce soir, à l'abbaye de Valmagne, où un concert est donné avec les plus talentueux d'entre eux, en leur permettant de s'exprimer collectivement et surtout de faire connaître à nos sociétaires toute la qualité du travail que nous faisons à la Fondation. Concert qui est ouvert bien sûr à nos sociétaires, mais également à l'ensemble de la population de Montpellier. C'est quand même une grande surprise et puis je dirais un émerveillement de découvrir un lieu comme ça. Bon, évidemment cette église qui est monumentale et qui malgré ça a quand même des qualités acoustiques, un mélange entre la nature, la spiritualité, l'architecture aussi. Et ça c'est voilà toujours un grand privilège en tant que musicien de découvrir des lieux comme ça. Quelque part on les fait vivre nous en tant que musicien hein, et aussi on en profite beaucoup. Rachel, Fédor, Vladimir et Antoine. On a déjà joué ce programme-là donc à Bagatelle. Et voilà, c'est un plaisir de les retrouver ici pour jouer cette œuvre magnifique. C'est une œuvre du Schumann. C'est une œuvre rayonnante, une œuvre tournée vers l'espoir. On a le mouvement lent, bien sûr, teinté de couleurs plus sombres. Mais je dirais que c'est une œuvre pleine de vitalité et tournée vers la vie, vers la jeunesse et vers voilà, quelque chose de très positif, quelque chose de très fort, une grande force intérieure. La Fondation est un moment, vraiment, vous épaule à un moment où vous cherchez un petit peu votre voix. Parce que la voix d'un musicien n'est pas une voix toute tracée, où vous savez à l'avance où vous allez être dans 10 ans ou dans 15 ans, pas du tout. Enfin, moi j'ai même rencontré beaucoup de musiciens grâce à la Fondation, par la Fondation, par les concerts qui ont été faits, soit à Bagatelle, à Guidel aussi, à Paul chez les Polignac, enfin bon, toutes sortes de choses. Et ça c'est un très très grand bonheur, on a l'impression que c'est une grande famille qui se retrouve avec de multiples ramifications. Et puis voilà, on se retrouve et c'est le plaisir de la musique de chambre, le plaisir de partager ça. C'est la convivialité et le plaisir de partager la musique. Je pense que ça aussi c'est quelque chose de très très beau dans la Fondation.
Nous, Banque Populaire du Sud, c'est vraiment un immense plaisir d'accueillir dans notre région ces talents jeunes. Pour nous, c'est saluer l'excellence. Je crois aussi que la Bagatelle, c'est la rencontre de l'excellence et d'un lieu. Et donc pour nous aussi, ça a été le plaisir de faire partager avec nos clients, avec tous les partenaires des Bagatelles, ce monastère qui est vraiment un endroit exceptionnel. Et là, on sort de scène à l'instant et les solistes nous disaient que ça avait été absolument magique de jouer ici. Et pour nous, donc, finalement, c'est notre plus belle récompense.